Alors non, on ne travaille pas seulement 4 mois dans l'année. Ça aussi, c'est une idée reçue. Je t'explique. Alors déjà, d'où vient-elle cette idée reçue? Eh ben, elle vient de ces fameuses 507 heures qu'il faut qu'on réunisse tous les ans pour conserver notre statut. Je sais, l'intermittence n'est pas un statut. Du coup, si on réfléchit rapidement, on se dit 507 heures à raison de 35 heures par semaine et 4 semaines par mois, ça donne 140 heures par mois. Et en divisant 507 par 140, ça donne 3,6 et des poussières. En gros, si on raisonne comme ça, on peut penser que nos 507 heures de travail représentent un petit peu plus de 3 mois et demi dans l'année. Alors, vrai ou faux? Les intermittents travailleraient 4 mois dans l'année et le reste du temps, ils se prélasseraient dans des hamacs à siroter des cocktails et profiter de la vie? Oh, qu'est-ce que tu fous là? La réponse est non, bien sûr. Et pour comprendre ça, il faut se demander, ça veut dire quoi travailler pour un intermittent? Si vous êtes familier de cette chaîne, vous savez maintenant que intermittent, ce n'est pas un métier. Intermittent, c'est un régime d'indemnisation du Pôle emploi qui se propose de gérer les gens qui travaillent dans l'audiovisuel ou dans le spectacle vivant et qui, par définition, ne travaillent pas de façon continue, c'est-à-dire chaque jour de 8h à midi puis de 14h à 18h, mais de façon intermittente, c'est-à-dire à fond pendant une période de tournage par exemple, et moins pendant les semaines qui suivent. Et ces métiers-là, comment dire, il y en a des tonnes. D'ailleurs, voici la liste complète de tous ces métiers de l'intermittence que vous voyez défiler en ce moment même. Vous voyez, il y en a pas mal. Autant vous dire que ça va être impossible d'être exhaustif dans cette vidéo. Et c'est pourquoi dans mes exemples, je vais être obligé de prendre quelques métiers, un petit peu au hasard, mais rassurez-vous, ce que je vais dire est vrai pour tous les métiers de l'intermittence. D'accord, faisons comme ça. Alors, venons-en au fait et prenons un domaine que je connais bien, la musique. Faire 507 heures en 12 mois, ça revient à faire environ 43 cachets, soit 43 concerts. Et c'est bien ces 43 concerts qui vont être à la source de mes 507 heures. Mais voilà une petite liste, non exhaustive, hein, de tout le travail qu'il faut effectuer en amont pour arriver à faire ces 43 concerts. Il va me falloir écrire des chansons, maqueter les chansons, chercher une prod qui serait intéressée par mes maquettes, trouver un studio pour les enregistrer, prendre contact avec des musiciens, leur écrire les partitions, enregistrer l'album, trouver un graphiste pour la pochette, faire presser le disque, l'envoyer à des maisons de disques, se prendre des vents au passage, retenter encore et encore et encore, monter une équipe live, organiser des répétitions avec cette équipe, préparer le spectacle de ce nouvel album et passer des journées entières à envoyer le disque à des programmateurs et essayer de vendre son projet pour en tirer une date. Et parallèlement à ça, apprendre le répertoire des autres groupes dans lesquels vous jouez, répéter avec eux, faire la compta de son asso qui porte les projets, travailler son instrument, se former à d'autres trucs. Vous voyez ? C'est tout simple. Dans la liste de tout ce travail que je viens de citer, rien n'est rémunéré. C'est ça, l'intermittence. Une espèce de to-do list sans fin sur laquelle on a toujours l'impression de barrer une tâche à faire, mais où il se rajoute instantanément une, voire deux autres tâches dans la foulée. Et attention, hein, ne faites pas l'erreur de penser que tout ça, c'est réservé au monde de la musique. À quoi tu penses? Bah, je pense par exemple au théâtre, au cinéma. C'est la même chose. Un intermittent dont le boulot est de faire du repérage pour un film, par exemple. Il va passer des semaines entières à parcourir des lieux en quête d'endroits qui conviennent parfaitement à la vision du réalisateur, pour que finalement tout ça soit résumé en une ou deux journées de cachet. Ou encore un comédien qui est payé pour une semaine de tournage. Mais combien de jours a-t-il consacré à cette semaine en amont? À lire le scénario, apprendre son texte, rencontrer ses partenaires de jeu pour faire des lectures et forger son personnage, se former à des techniques inhérentes à son rôle? Bah oui, si tu joues dans Matrix, faut bien apprendre le kung-fu. En vrai, ça se passe pas comme ça. Je connais le kung-fu. Un autre point sur lequel on n'appuie pas suffisamment, c'est le suivant. Les intermittents, ils ne s'arrêtent jamais à ces 507 heures. Ce fameux nombre-là, 507. Mais c'est que le minimum qu'il faut atteindre pour accéder au régime. Mais qu'est-ce qui se passe quand un intermittent arrive à ce stade des 507 heures et qu'il lui reste encore genre 4 mois avant son renouvellement? Bah, il a devant lui deux choix. Le premier, c'est de continuer à accumuler des heures durant ces 4 prochains mois. Pour tout dire, hein, c'est un choix qu'il a intérêt à faire étant donné que son taux journalier de l'année d'après dépendra du nombre d'heures qu'il aura fait durant l'année précédente, en partie. Du coup, notre intermittent, il a intérêt à continuer à bosser après ces 507 heures. Sinon, l'autre
choix qui s'offre à lui, c'est de procéder à ce qu'on appelle un renouvellement anticipé. Ça veut dire qu'il dit au Pôle emploi, procéder à mon réexamen anticipé, mais 4 mois de droit que j'avais devant moi, j'en veux plus, j'y renonce. Alors, ce genre de cas, ça arrive lorsque notre intermittent, il s'aperçoit que s'il renouvelle maintenant, sans attendre, il va considérablement augmenter son taux journalier. Là encore, on pourrait penser qu'il est un peu opportuniste, mais souvenez-vous bien que s'il en est là, c'est que d'une part, il renonce à 4 mois d'indemnisation, et que d'autre part, pour en être là, il a sacrément dû bosser depuis le début de son dossier. Alors évidemment, il y a une troisième option qui consisterait à ne plus rien faire durant les 4 prochains mois et à attendre gentiment le prochain renouvellement en profitant allègrement des indemnités journalières. Mais franchement, même si ça doit exister, moi j'ai jamais eu l'occasion de croiser de tels comportements. Et d'ailleurs, entre vous et moi, ce serait un mauvais calcul, parce que refuser du boulot pendant ces 4 mois, ça reviendrait à se couper de son réseau. Et croyez-moi sur parole, quand vous êtes intermittent, votre réseau, c'est votre portefeuille. Vous ne voulez pas le perdre. Tous les conjoints et les conjointes d'intermittents vous le confirmeront. Dans nos métiers, rien ne s'arrête jamais vraiment. On ne connaît pas vraiment ce sentiment du vendredi soir où vous passez la porte de votre travail et où vous vous dites « ça y est, j'ai fini mon travail, je reprendrai que lundi ». Dans les métiers de l'intermittence, on est toujours plus ou moins sur le pont, H24. C'est un peu ça l'idée. Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décrocherait ? Mais parce qu'on l'aime notre métier. Et qu'on a bien conscience que pour parvenir à réunir ces fichus 507 heures, il faut accepter justement de travailler beaucoup plus et souvent gratuitement pour faire le meilleur boulot possible et que ça débouche sur un cachet. Ce système, il existe parce qu'il a bien fallu à un moment donné trouver une astuce pour valoriser ce travail intermittent qui ne peut pas être comptabilisé comme les autres boulots. Alors, on a trouvé ce système de cachet de 507 heures parce qu'on a estimé que c'est ce qui se rapprochait le mieux de la réalité. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose ? Approchez. Que demain matin, on nous dise que les 507 heures, c'est terminé et qu'en contrepartie, on touchera toutes et tous un salaire et que chaque heure de travail sera valorisée. Mais je pense que 99% d'entre nous, on saute au plafond. Mais là, j'ai bien peur que ça coûte le triple de ce que ça coûte actuellement. Parce qu'elle est là, la réalité. Les 507 heures, ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le reste, ça se fait en tâche de fond. C'est invisible pour la plupart des gens. Mais pourtant, l'immense majorité de notre travail est fait en amont de ces 507 heures, qui sont finalement que le résultat de notre travail quotidien. Le calcul mathématique un peu primaire qui mène à penser que les intermittents y travaillent 4 mois dans l'année seulement, montre une chose. Notre travail est encore méconnu. Et encore beaucoup trop de personnes pensent qu'on ne travaille que lorsqu'on est sur scène ou en représentation. Il nous revient alors à nous, les travailleurs du spectacle, de mieux communiquer pour expliquer notre quotidien et faire tomber ces idées reçues. C'est d'ailleurs ce que je m'emploie à faire sur cette chaîne. Et je vous encourage d'ailleurs à me soutenir si vous appréciez mon travail. En tout cas, j'espère avoir contribué à faire passer ce message important. Non, les intermittents ne travaillent pas que 4 mois dans l'année. Ils n'ont même pas intérêt à faire ça. C'est juste que vous n'êtes pas là pour les voir bosser. Croyez-moi. Si vous êtes d'accord pour dire qu'un arbre qui tombe dans une forêt continue à faire du bruit, même si personne n'est là pour l'écouter, alors sachez qu'un intermittent continue quand même de travailler en silence, même si personne n'est là pour l'applaudir.